Alors Marion me dit, c'est bon. Donc bonsoir à toutes et tous. Séance du 10 mars déjà 2021 du Conseil municipal dans lequel nous avons six délibérations à l'ordre du jour. Dont la délibération principale qui concerne le rapport sur les orientations budgétaires. Excusez-moi, je prends le matos. C'est mieux. Ensuite, nous aurons une délibération en lien avec la communauté de communes, un ajustement des subventions aux réfections des façades, une liquidation des voies et espaces communs du lotissement Les Rives, une coupe de bois, enfin, des coupes de bois en lien avec l'ONF et une modification du tableau des effectifs du personnel. Pour démarrer, nous allons procéder à l'appel. Alors, qui? C'est toi qui le fais? L'appel? C'est Jean-Pierre qui fait l'appel? Allez, Jean-Pierre. Christian David, Christophe Cortès, Florence Ramon, Jean-Louis Boyer, Michel Cellier, Guillaume Godin, Françoise Béguin. Albert Massiani a donné procuration à René Gibert. René Gibert. Henriette Rampin a donné procuration à Christine Piasco. Alain Manot. Excusez. Christine Piasco. Chantal Ounot. Philippe Videcoq a donné procuration à Michel Cellier. Miguel Martin. Je pense qu'il va nous rejoindre, il doit être encore au travail. Oui, monsieur, on prendra, on notera. Stéphane Santervas, Stéphanie Giacci, Christophe Caillot, Arnaud Cavata, Lionel Bertorello, Karine Vergne, Agnès Froment et Élodie Picon. Merci Jean-Pierre. Ensuite, désignation d'un ou d'une secrétaire de séance qui est volontaire. Merci Elodie. Donc Elodie Picon qui assurera comme à chaque fois le secrétariat de cette séance. Vous avez pris connaissance du compte rendu de la séance précédente. Y a-t-il des questions? Donc je propose de l'approuver. Qui est pour? Merci. Donc vous penserez à venir signer les tableaux au terme de cette séance. Les décisions, donc une signature d'un avenant numéro 1 au bail commercial avec Croc-en-Bouche, une autorisation d'occupation temporaire du stade Brachet avec l'école élémentaire, un contrat de service de nettoyage des vitres avec la SAS Gaspar Clean, signature de devis pour l'entretien du bâtiment dénommé Espace Santé avec Gaspar Clean également, et toujours avec eux une autre partie de l'Espace Santé. Une convention de participation aux séances à examen psychotechnique groupé Centre de gestion du Var. Signature d'une convention de partenariat avec le Conservatoire méditerranéen partagé, ça c'est dans le cadre des actions en lien avec le Conservatoire des Oliviers. Signature d'une convention d'occupation précaire d'un logement situé au groupe scolaire entre la commune et Madame Raymond Michel, locataire. Convention relative à la mise en fourrière des animaux errants avec l'association Identité Canine. Autorisation sollicitée pour solliciter une subvention auprès du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud, comme le dit le président. Appel à projet restauration et valorisation du patrimoine rural non protégé, restauration de la Grande Fontaine, au titre des actions patrimoniales. Signature d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire de la salle des permanences avec l'association Axis, en lien avec donc le CCAS aussi. Signature d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire avec le tennis club suite à la livraison des équipements du tennis au quartier de Bron. Et signature du contrat pour le contrôle des aires de jeu et des équipements sportifs. Avec présence expertise. Voilà pour les décisions prises depuis le dernier conseil municipal.
Dans l'ordre du jour, je vous l'ai déjà indiqué. Pour démarrer, donc, le rapport sur les orientations budgétaires. Alors, c'est un gros pavé. Je me tourne vers notre équipe de direction pour qu'on soit synthétique. Hein. On ne va pas tout lire mot à mot parce qu'il y a 68 pages, sinon on risque d'y passer une bonne partie de la soirée. L'essentiel, c'est de faire émerger les moments clés, les chiffres clés, de façon à ce qu'on soit lisible et audible et qu'on ne s'endorme pas avant la fin du conseil. C'est vrai que c'est toujours laborieux quand on parle de chiffres. Et pourtant, c'est ce qui fait la vie de la cité et ce qui nous permet aussi de produire ce que nous produisons en termes de services, mais également d'équipement depuis plusieurs années. Voilà, donc le rapport d'orientation budgétaire, je le rappelle en préambule, fait l'objet d'une délibération, c'est le cas ce soir. Pour autant, c'est pas une validation, je suis pour ou je suis contre, c'est une prise d'acte de la présentation. Voilà. Donc ça va avec l'esprit de la transparence donc de la vie publique. Nous sommes passés depuis le mois de janvier à un seuil de 3525 habitants selon l'INSEE, ce qui était le cas en 2017. Après, l'INSEE nous a remis en dessous ce seuil. Cette année, officiellement, l'INSEE nous classe au-dessus des 3500 habitants. Donc le rapport sur les orientations budgétaires revient, parce que le premier était en 2017. Et nous avons l'obligation de vous faire cette présentation. Donc la loi de finances 2021, donc depuis 2018 à l'année prochaine, il y a la réduction donc de la dette publique qui a été poursuivie, mais pour autant vous vous rappelez qu'elle avait commencé en 2014. Avec, on va le voir un peu plus loin, avec des prélèvements ou des non-recettes significatives. Le plan de relance national, donc depuis l'année 2020, qui est l'année dite Covid, elle décline les dispositifs de subvention de projets locaux dans le cadre de ce plan de relance national, pour tenter de relancer la croissance au travers de diverses actions que nous pourrions conduire. Donc l'État s'appuie beaucoup sur les collectivités, les EPCI également, pour tenter de pousser cette relance. Moi, j'aurais tendance à dire, pour avoir déjà travaillé avec les services sur tous les outils qui sont sortis en l'espace de 3 semaines, il y en a plusieurs. C'est très alléchant parce qu'on parle de centaines de millions dans un outil, de milliards dans l'autre. Et je vous donne mon sentiment. J'ai l'impression que nous sommes devant une belle vitrine, mais que quand on attrape la clé, c'est jamais la bonne. Pour avoir déjà eu des écueils sur des demandes formulées auprès des services de l'État. Ensuite, il y a la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui se poursuit encore cette année. Donc, la plus grande partie des contribuables sur cette taxe d'habitation va être encore exonérée progressivement en cette année 2021. Il y a un reversement dans le cadre des équilibres financiers qu'a fixé l'État. Donc l'arrêt de la perception de la taxe d'habitation par le conseil départemental, par les départements, qui est donc reversé auprès des communes en compensation de la perte. C'est une manière pour l'État de compenser, donc il y a un effet tiroir, et puis l'État compensera le département sous d'autres formes. On ne sait pas encore trop, bon, la garantie qu'on nous a donnée, on le verra concrètement d'ici la fin de l'année, quand nous aurons toutes les fiches officielles d'attribution de ces reversements, on nous a garanti qu'on ne perdrait pas un centime et que dans le cadre de la dynamique. Quand je parle de la dynamique, c'est l'évolution physique des bases. Une maison de plus, une entreprise de plus, sur le plan foncier, c'est une recette supplémentaire. Et ça, c'est l'évolution physique des bases qui sera, selon les textes actuels, toujours prise en compte pour faire évoluer cette compensation fiscale, donc cette dotation de l'État, en espérant que dans les années à venir, elle ne soit pas mise au placard comme l'a été partiellement la DGF ces dernières années. Mais nous serons vigilants. Donc pour ce qui est de la période 2018 à 2020, en 2018,
Sur certaines dotations, nous avions 352 000 euros, j'arrondis sur les chiffres. En 2020, 270, et cette année, 266. On voit qu'en 3-4 ans, il y a encore 86 000 euros de pertes sur ces diverses taxes, dotations, qu'elles soient rurales, dotations de solidarité cible. Là, on a perdu à peu près 80 000 euros rien que sur un seul outil de financement. Donc on est quand même sur sur une poursuite de la baisse des dotations, malgré qu'on nous ait dit il y a quelques courts mois ou années que ça serait figé. Mais bon, on réfléchit au niveau national et après la répartition dans les territoires se fait de manière variable et du coup certains gagnent un peu plus, d'autres un peu moins. Pour nous, pour l'instant, on est encore sur du négatif. Et je rappelle, je le disais en préambule, que sur la période 2014-2017, alors que nous touchions en 2013 366 506 euros, nous en sommes aujourd'hui en 2020 à 157 186 euros, en espérant qu'il n'y ait pas de baisse significative pour cette année 2021, ce qui représente annuellement plus de 200 000 euros, donc 209 320 euros estimés, de perte de recettes. Alors, imaginez que pour une commune comme Carnoules, 209 000 euros, c'est colossal. Ce qui représente, au-delà des tableaux très détaillés qui nous ont été proposés par notre direction, et on peut les remercier pour le travail accompli, parce que c'est jamais simple d'aller rechercher les antériorités et de faire aussi de la prospective. Ce qui représente entre 2013 et 2020, une perte d'1,1 million pour notre commune. Donc, vous voyez, 1,1 million, les équipements, la cave coopérative serait déjà finie en rénovation si nous avions pu conserver ces recettes-là. C'est pour vous donner une idée de grandeur. Ensuite, par le biais des intercommunalités, il existe un fonds de péréquation des ressources intercommunales. Donc ça, c'est selon la richesse des territoires communautaires. Il y a des reversements de territoires riches sur les territoires moins riches. Et progressivement, on voit cette dotation qui se réduit. Peut-être qu'on devient territoire riche, je n'ai pas l'impression, mais pour autant, il y a une petite perte, elle n'est pas significative, mais elle existe. Dans la reversion qui concerne Carnoules, de 2016 à 73 800 euros. Et en 2020, nous avons eu 69 000 euros par précaution. Nous inscrirons au budget une recette encore un peu inférieure pour le cas où nous allons subir à nouveau une baisse de cette recette. La fiscalité professionnelle unique, dont je rappelle que lorsqu'elle a été instaurée en 2015, nous nous étions opposés. Nous avions bien fait, même si ça n'a pas eu d'effet puisqu'une majorité l'avait validé. Nous avions bien fait parce que nous savions que nous perdrions beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, les attributions de compensation qui nous sont reversées par la communauté de communes au titre de la fiscalité professionnelle étaient à hauteur de la recette constatée en 2015, soit 371 000 euros. Et au fil des compétences prises par Cœur du Var, cette recette a un peu baissé. La part la plus significative est celle de la contribution au service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, pour lequel un accord a été trouvé il y a 2 ans. Et là, bon, c'est la seule perte que l'on peut, disons, valider, parce que nous devions passer de 43 000 euros de coûts au financement du SDIS à 120 000 euros spontanément. Donc, nous avons lancé des procédures et avant le terme des procédures, des négociations ont été conduites avec les EPCI et nous sommes tombés sur un entre-deux qui est globalement satisfaisant, sachant quand même le travail formidable que font les services de secours sur le département, que ce soit dans les périodes estivales, dans la prévention et puis tout au long de l'année dans les secours aux personnes. Donc, il était normal aussi qu'on apporte notre juste contribution. Et c'est ce qui fait baisser significativement, mais cette fois, on ne va pas trop contester, parce que c'est pour une bonne cause. Alors, le moment de vous annoncer que la fiscalité locale, eh bien,
chers concitoyens, chers amis, nous vous proposons dans ce rapport de la laisser stable, ce qui est le cas donc depuis 2017, avec des taux donc les maintenus. Pour ce qui concerne la taxe d'habitation, à hauteur de 18,7%, pour le foncier bâti, à hauteur de 21,89%, et pour le non bâti, à 103,04%. Donc pas d'augmentation de fiscalité pour cette année. C'est le moment de parler de la clôture de l'exercice 2020. Pour ce faire, donc, je passe la parole à nos directeurs, donc, entre Marie-France et Jean-Pierre, il y a le tandem. Je vous laisse vous exprimer et j'interviendrai éventuellement pour compléter un peu la vision locale que nous pourrions avoir. Je vous propose, la présentation va se faire en trois temps, si on peut dire. Le premier, c'est les bilans 2020, à la fois pour le budget principal, pour les deux budgets annexes, l'eau et l'assainissement. Ensuite, nous parlerons de 2021, pareil pour le budget principal, l'eau et l'assainissement. Et nous finirons sur le niveau de la dette au niveau local, pareil sur les trois budgets. Par étape, je vous propose d'intervenir au terme de chaque étape, parce que peut-être vous aurez une question en tête, et la réponse se trouvera sur le flyer suivant. Mais au terme de la première phase, s'il y a des questions, ben, notez-vous-les. On les pose, on échange. Après, on passe à la prospective. Au terme, pareil, on échange si besoin. Et après, pareil pour la dernière étape qui concernera l'endettement de la commune, qui sera la clôture de ce rapport des orientations budgétaires. Merci pour votre attention pour l'instant. Et donc, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Donc nous allons engager vous présenter les éléments de bilan de la clôture de l'exercice 2020. Donc nous commençons par les éléments de clôture. Le budget 2020 a été clôturé avec un résultat cumulé en dépenses à 5 946 000 euros et quelques euros. Et en recette à 7 126 300 et quelques euros, soit un résultat excédentaire d'1 180 229,44 € en cumul. Si l'on rentre un petit peu dans les éléments de réalisation, s'agissant des dépenses de fonctionnement, on voit donc dans la présentation qui est exposée, le principal, naturellement, comme toute collectivité, pour le principal budget reste celui des charges de personnel. Oui, je disais que demain, dans la présentation qui sera faite et diffusée, les flyers seront bien sûr en annexe des commentaires qui sont faits ce soir. Donc effectivement, monsieur le maire, donc comme les conseillers vous-même pouvez le voir donc dans ce qui est projeté actuellement, donc en rentrant dans le détail des dépenses de fonctionnement, on s'aperçoit naturellement, comme toute collectivité, la première dépense de fonctionnement de la commune reste la charge de personnel, qui est un petit peu plus c'est réalisé à un peu plus de 2 millions d'euros, suivi ensuite de façon aussi assez classique par les charges à caractère général pour 612 000 et quelques euros. Et ensuite, donc les charges de gestion courante, le chapitre 65 pour les connaisseurs, à hauteur de 275 000 euros environ. Donc, les dépenses de fonctionnement. Si l'on regarde une comparaison entre la prévision et la réalisation, c'est-à-dire en gros la prévision qui a été faite lors du budget primitif par rapport à la réalisation que nous venons de clôturer. On s'aperçoit donc que les dépenses, pour prendre les deux principaux chapitres de dépenses des charges de fonctionnement, à savoir, comme évoqué, les charges de personnel et les charges à caractère général, on s'aperçoit que la prévision entre le budget primitif et le compte administratif est à la baisse, ce qui veut dire que la commune avait estimé de façon sécurisée ses dépenses et que finalement celles-ci se sont réalisées de façon moindre. Donc on voit que les dépenses à caractère général
ont eu un différentiel entre la prévision et la réalisation de moins 12% et les charges de personnel de presque moins 3%. Donc une démarche sécurisée. S'agissant toujours des dépenses de fonctionnement, donc la commune, donc les charges à caractère général, pardon, ont une augmentation par rapport à 2019, excusez-moi. La réalisation donc, entre le compte administratif 2019 et celui de 2020, une augmentation des charges à caractère général qui est notée de presque 11%, mais qui est très directement liée à l'augmentation, à la situation sanitaire et la crise sanitaire. C'est le chapitre qui a été le plus directement impacté par les dépenses liées à la crise Covid. Voilà. Madame Panissi me dit plus de combien ? 35 000 euros. Plus de 35 000 euros pour votre information de dépenses Covid directement. Et puis on pourrait également mettre en perspective les dépenses aussi indirectes qu'il peut y avoir. Donc c'est comme toute commune, on a été extrêmement impacté. Les charges de personnel ont une légère augmentation de 0,9%. Il faut noter qu'elle est très inférieure à ce qu'on appelle le croissement structurel de la masse du personnel, c'est-à-dire la montée en technicité avec la vieillesse, l'évolution des carrières, qui en général est donnée pour un minimum de 2% dans la fonction publique, donc 2% au niveau de la marche normale du personnel, et en l'occurrence ici 0,9%. Là aussi, les charges de personnel ne font pas exception dans l'impact de la crise sanitaire, puisque les charges Covid, avec notamment ce qui a été appelé la prime Covid, elle nous a impacté à plus de 20 000 euros. Nous allons passer maintenant rapidement en vue les recettes de fonctionnement, toujours chapitre, donc la section de fonctionnement. On s'aperçoit, comme il est projeté, que la principale de nos ressources provient des impôts et taxes à hauteur de un peu plus de 2 300 000, suivi des dotations et participations, celle-même dont, monsieur le maire, vous avez rappelé l'érosion importante depuis ces dernières années, à hauteur de 730 000 euros, ainsi que d'autres niveaux de recettes, mais qui sont pour des montants bien inférieurs que je ne vais pas vous lister aujourd'hui, vous les voyez à l'écran. Je passe à ma collègue pour vous parler des investissements réalisés. Merci, bonsoir. Concernant la section d'investissement, nous enregistrons des dépenses à hauteur de 2 696 711 euros, qui se décomposent donc la partie gauche, avec des immobilisations réalisées, c'est-à-dire toutes les dépenses qui sont liées aux études, travaux, acquisitions foncières, etc., c'est-à-dire donc chapitre 20, 21, 23, donc c'est parti un peu vert, à hauteur de 1 443 616 euros, auxquels nous devons rajouter également les restes à réaliser qui sont en rouge, pour un montant de 723 713 euros. Nous avons également le remboursement de capital de la dette à hauteur de 382 374 euros. Et je vous rappelle également que s'agissant de la dette, il y avait l'emprunt in fine que nous devions donc rembourser à hauteur de 200 000 euros. On en parlera un petit peu plus tard. Également, vous avez ce qu'on appelle les opérations d'ordre, qui apparaissent en bleu foncé à hauteur de 146 997 euros. Il s'agit donc là l'amortissement des subventions, également l'amortissement des biens, également les travaux en régie qui sont enregistrés également en fin d'année grâce à des écritures comptables en investissement. S'agissant des recettes, nous enregistrons des recettes à hauteur de, pour la section d'investissement, 2 245 594 euros. Qui se décompose donc comme suit. Vous avez donc l'emprunt à 450 000 euros, qui apparaît un peu marron-beige sur le diaporama. Vous avez également les restes à réaliser en rouge à 1 168 895 euros. Les subventions qui ont été mandatées à hauteur de 75 702 euros. Les dotations, 312 403 euros. Et les opérations d'ordre, comme je viens de vous l'indiquer pour la partie dépenses, nous avons exactement le pendant sur la partie recettes, donc des opérations d'ordre qui sont également liées aux écritures liées aux cessions d'actifs et amortissement. Donc nous constatons
un résultat brut de fonctionnement 2020, c'est-à-dire dépenses moins recettes de fonctionnement, pour un montant de 476 021 €. Si l'on considère uniquement les opérations réelles, nous arrivons, c'est-à-dire nous retirons au montant que je viens d'évoquer, les opérations d'ordre. Donc sur les opérations réelles, nous arrivons à un résultat de 507 067 €. À ce montant-là, nous pouvons y retirer donc les cessions d'actifs, puisque c'est quelque chose qui intervient donc de façon assez ponctuelle dans l'année. On ne peut pas les prendre en considération sur lorsqu'on parle de capacité d'autofinancement. On est obligé de les déduire. Donc pour un montant de 142 000 €, les cessions d'actifs, donc c'est toutes les cessions de différentes parcelles, terrains que la commune donc a vendues. Nous additionnons les dépenses qui sont liées aux travaux en régie à hauteur de 137 185 € pour arriver à un montant de CAF brut estimé à 502 002 €. À ce montant-là, nous retranchons le capital de la dette, 382 374, et enfin nous arrivons à une CAF nette de 119 628 €. Hors remboursement exceptionnel, donc je reviens sur ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire l'emprunt in fine de 200 000 € qu'il a fallu rembourser en une seule fois, nous aurions donc une CAF nette estimée à 319 628. Et dessous, entre parenthèses, on a indiqué la CAF nette 2019 et 2018. Donc comme il est mentionné sur la droite du document, donc la commune a remboursé cette année un seul versement, l'intégralité d'un prêt, que j'ai évoqué. La charge impacte ainsi ponctuellement notre résultat. En retranchant cette dépense exceptionnelle, nous pouvons voir que notre CAF net structurel pour 2020 serait donc d'environ 320 000 euros. Oui, à ce stade, juste pour compléter, cette précision apportée sur ce remboursement exceptionnel de 200 000 euros que nous avions évoqué, bien sûr, montre qu'il y a quand même une amélioration de la situation sur notre résultat. Je pense que c'est à souligner une fin d'année qui se clôture encore mieux que les autres. C'est effectivement les diapositives suivantes qui permettent de constater entre 2018 et 2020 une amélioration concernant, donc, hormis effectivement ce remboursement de 200 000 euros, où on a une évolution plutôt favorable. Donc ça nous donne une affectation du résultat, c'est-à-dire la prise en compte du bilan de tout cela et ce que l'on en tire sur la projection et les reports financiers. Pour essayer de faire de la pédagogie sur l'année suivante. Le résultat de clôture de l'exercice 2020 se situe donc à 476 000 euros. On a un résultat intérieur reporté qui était de 2 252 000 euros d'excédent de fonctionnement reporté de l'année dernière. Donc le résultat cumulé de la section de fonctionnement se porte ainsi à 1 728 000 euros. Le compte administratif 2020 donc, fait apparaître donc un résultat cumulé de 1 728 000 €. Notre section d'investissement maintenant, l'exécution cumulée d'investissement, le solde, c'est moins 992 000 euros. Alors, je rappelle que c'est normal que les chiffres soient souvent négatifs dans la mesure où le budget est initialement compensé par le virement à la section d'investissement, ça veut dire la part excédentaire, on va dire, de notre partie de fonctionnement qui finance notre investissement, mais que c'est une chose qui ne se réalise pas comptablement et qui se compense ensuite. Donc, je vais arrêter dans les détails. Donc 992 000, presque 993 000 euros de solde d'exécution cumulé, négatif. Le solde des restes à réaliser, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la commune a un engagement concret, mais qu'elle n'a pas encore réalisé définitivement, ça n'a pas été soldé, les factures n'ont pas été soldées, il est positif à 445 000 euros. Le besoin de financement, donc, qui en est déduit, c'est un besoin de financement abondé de 547 000 euros. Cette somme est donc retranchée et portée pour être portée en crédit de finance réservé, on va dire, pour l'investissement l'année suivante. C'est ce qu'on appelle le compte 1068. On retrouve la somme donc de 547 800,25 euros. Et
qui est financé donc à partir de de l'excédent qu'on avait sur notre fonctionnement. Et le reliquat qui reste donc sur l'excédent de fonctionnement, c'est le report qui devrait se situer à 1 180 000 euros. Pour information, en 2019, il était de 1 252 000 euros. Donc on a une constante sur, on va dire, ce qu'on pourrait appeler quelque part le fond de roulement pour mettre du sens. Donc il passe de 1 252 000 euros à 1 180 000 euros, qui est donc quasiment intégralement conservé. Je passe la parole à Marie-France pour les budgets annexes. Merci. Pour le budget de l'eau. Donc le compte administratif clôture 2020 pour le budget de l'eau s'exécute de cette façon. Résultat donc mandat et titre en fonctionnement dépenses 96 641 euros et recettes 133 985. En investissement, 287 300 et en recettes, 157 749. Nous avons également, comme pour chaque budget, un report 2019, avec donc cette fois-ci uniquement des recettes, en fonctionnement 49 614 euros et en investissement, 163 879. On y rajoutera également les restes à réaliser, 20 206 pour l'investissement. En dépenses, il n'y a pas de reste à réaliser en recettes cette année. Donc, ce qui nous fait un résultat cumulé aujourd'hui, donc fonctionnement-investissement, à 404 148 en dépenses et 500 229 en recettes, soit une balance globale de 101 081 euros. Donc, sur la partie droite du diapositive. Donc on a expliqué que le montant exécuté du budget, toutes sections confondues, se porte à 404 148 euros en dépenses et 505 229 en recettes. Section d'exploitation dégage un résultat d'exercice excédentaire à hauteur de 37 344 euros. Et à l'excédent antérieur, cela porte la recette d'exploitation cumulée à 86 959 euros. S'agissant des dépenses d'équipement au sein de l'investissement, elles se situent à hauteur de 247 500 euros. Et on vous a mentionné également, en 2019, elles étaient inscrites à hauteur de 234 500 euros. Donc, on conserve un bon niveau d'investissement dans nos infrastructures. Plus dans le détail, on peut également parler du chapitre 011. Qui se porte à 12 600 euros, donc qui est même en légère baisse par rapport au résultat de 2019. Donc si on rentre davantage dans le détail, nous avons les dépenses donc, d'exploitation. 12 605 euros qui se trouvent en bleu. Est-ce que tu arrives à peu près ? Voilà. Cela concerne quoi précisément, sans vraiment rentrer dans le détail, mais pour vous donner quand même quelques indications concrètes, il s'agit de la participation de la commune versée au syndicat de l'Est, donc c'est une redevance, et quelques autres également redevances auprès de la SNCF ou de la ville de Toulon. Ensuite, nous avons 18 455 euros, ce sont les intérêts de la dette, et sur la partie grise, à hauteur de 65 580 euros, nous retrouvons également, comme pour le budget de la commune, les amortissements. Là, il s'agit des amortissements sur l'année 2017. Ensuite, sur la partie recettes, nous avons à hauteur de 130 812 euros. Là, il s'agit de la surtaxe, une recette donc de surtaxe qui nous provient pour l'eau potable, également à hauteur de 1326 euros. C'est une redevance pour concession en fait, l'occupation du domaine public. Et à hauteur de 1846 euros, il y a donc on le verra tout à l'heure, mais le budget assainissement rembourse une partie d'un emprunt au budget de l'eau potable, parce qu'il y a un emprunt qui est supporté entièrement par l'eau potable. Donc, il y a donc dans ce montant-là le remboursement de l'assainissement qui intervient en recette d'eau potable,
et également quelques produits financiers et un remboursement de trop payé de la ville de Toulon. Voilà, s'agissant des recettes d'exploitation. Oui. S'agissant de la section d'investissement, donc à hauteur de 267 703 euros, là il s'agit donc des dépenses d'équipement, c'est-à-dire ce qui regroupe les chapitres 20, 21 et 23, avec les restes à réaliser également. Et également, pour à hauteur de 29 632 euros, là nous avons la part capitale de l'emprunt qui est remboursée. Et nous retrouvons aussi nos dépenses d'ordre avec les intégrations des études à hauteur de 10 171 euros. S'agissant des recettes d'investissement, donc nous arrivons en bleu, donc c'est le 8 705 euros. Ici, ce sont les subventions que nous enregistrons ici. Partie rouge, donc 70 591 euros, c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé. Le 2701 euros, je crois que c'est gris, oui, c'est le remboursement de la part assainissement qui correspond au capital. Et enfin, 75 751 euros, c'est les amortissements et intégration des études. C'est très technique, et ça vous permet de comprendre un peu à quoi correspondent ces différents montants. Alors, l'exercice 2020, s'agissant du budget de l'eau, se clôture donc de la façon suivante. Une synthèse. La section de fonctionnement, donc tout d'abord, le résultat de clôture de l'exercice se porte à 37 344 euros. Le résultat antérieur reporté était de 49 614 euros. Le résultat cumulé à affecter est donc de quasiment 87 000 euros. En section d'investissement, le solde d'exécution cumulé est excédentaire à hauteur de 34 328 euros. Les restes à réaliser, donc qui sont reportés, se portent à un négatif de 20 200 euros, ce qui nous fait un besoin de financement qui n'est inexistant, parce qu'il est positif. Il n'y aura pas donc d'affectation au compte 1068. Le report en fonctionnement est donc, correspond donc à l'intégralité du cumul sur le fonctionnement, à savoir quasiment 87 000 euros. Pour information, en 2019, le montant était de 49 600, enfin quasiment 50 000 euros. On est donc passé d'un excédent de fonctionnement reporté de 50 000 à quasiment 87 000 euros. Marie-France, je te passe la main pour le budget de l'assainissement. S'agissant du budget d'assainissement, donc les résultats 2020 mandat et titre, en dépenses 77 313 euros, en recettes 108 983 euros. Pour la partie investissement, 150 714 euros en dépenses et 148 864 euros en recettes. Donc on y intègre également les reports 2019, ce qui nous donne en total 228 028 euros en dépenses et 286 744 euros en recettes. Les restes à réaliser, bien évidemment. Alors là, nous avons donc des restes à réaliser à la fois en dépenses et en recettes sur ce budget-là, à hauteur de 5 409 euros pour les dépenses et 17 726 euros en recettes. Ce qui nous fait donc un résultat cumulé, donc à hauteur de dépenses, en dépenses 233 497 euros et en recettes 304 470 euros, pour une balance générale de 70 973 euros. Donc le montant exécuté du budget, toutes sections confondues, se porte à 233 497 euros, comme je viens de le dire, en dépenses et 304 470 en recettes. La section d'exploitation dégage un résultat d'exercice excédentaire à hauteur de 31 670 euros. Si on ajoute l'excédent antérieur, cela porte la recette d'exploitation cumulée à 45 713 euros. S'agissant de la section d'investissement, il y a des dépenses d'équipement à hauteur de 117 000 euros contre 108 000 en 2019. Et là encore, nous conservons un bon niveau d'investissement dans nos infrastructures. Les dépenses courantes d'exploitation sont maîtrisées également.
chapitre 011 des charges à caractère général porte à 1221 euros, donc ce qui est très très peu. Concernant le, donc pour rentrer un petit peu dans le détail de ces dépenses et recettes d'exploitation, la répartition de ces dernières. Donc, en dépenses, nous avons des amortissements qui s'inscrivent à hauteur de 59 889 euros. Une dépense à 1221 euros sur le chapitre 011, ce qui est très peu, pour vous donner, pour que ça soit un peu concret pour vous, cette dépense était liée au remplacement du tampon eau usée avenue Colonel Fabien. Voilà. 16 202 euros, ça correspond à la charge des intérêts qu'il a fallu donc rembourser. S'agissant des recettes, nous avons enregistré des recettes à hauteur de 101 414 euros qui correspondent à la fois à la redevance, donc à la surtaxe qui est versée d'environ à peu près 70 000 euros et également la participation à l'assainissement collectif de 31 000 euros. En orange, à hauteur de 6 370 euros, ça correspond à la prime à l'épuration que l'agence de l'eau nous a versée. Et pour un montant de 1 198 euros, ça correspond à la redevance d'occupation du domaine public, la part assainissement. S'agissant des dépenses et des recettes d'investissement cette fois-ci, donc nous enregistrons des dépenses à hauteur de 105 407 euros pour des dépenses au chapitre 21. Chapitre 23, nous avons 11 616 euros. Donc ces dépenses sont essentiellement en lien avec la création des réseaux chemin du stade, création réseau également équipement sportif. Nous avons aussi élimination des eaux parasites, renouvellement du réseau entrée ouest de l'école jusqu'à la poste, pour vous donner quelques explications. À hauteur de 5 469 euros, il s'agit là cette fois-ci des restes à réaliser. Cela concerne également le réseau de création en Bron et également une maîtrise d'œuvre pour l'extension des Moulières, quartier des Moulières. Voilà. On enregistre également donc une dépense liée au remboursement de capital de l'emprunt, qui est à 22 540 euros. Puis, pour terminer sur les dépenses, intégration des études, on les retrouve également ici, à hauteur de 11 150 euros. S'agissant des recettes maintenant, nous avons donc toujours notre excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 77 824 euros. La subvention donc, qui intervient aussi en reste à réaliser, mais c'est quand même une subvention de 17 726 euros. Et là, c'est la subvention qui nous a été accordée concernant l'élimination des eaux parasites. Et enfin, 71 039 euros. Toujours pareil, nos opérations d'ordre, toujours pour les intégrations des études et amortissement des biens. La clôture de l'exercice, donc 2020 pour le budget de l'assainissement, nous donne les chiffres suivants en section de fonctionnement. Donc résultat de clôture de l'exercice se situe à quasiment 32 000 euros. Le résultat antérieur reporté, 14 000 euros, ce qui nous fait un résultat cumulé à affecter de quasiment 46 000 euros. En section d'investissement, le solde d'exécution cumulé est excédentaire de 13 000 euros. Les restes à réaliser sont aussi excédentaires, le solde des restes à réaliser, donc entre dépenses et recettes de un peu plus de 12 000 euros. Il n'y a donc pas de besoin de financement, il n'y aura pas d'affectation réservée au compte 1068 et l'intégralité de l'excédent est donc reportée en excédent de fonctionnement à hauteur de 46 000 euros quasiment. En 2019, à titre de comparaison, comme nous l'avons fait pour le budget de l'eau, on peut voir que ce montant se portait à 14 000 euros, là aussi en très forte progression. Nous allons donc poursuivre maintenant. Voilà, on avait dit que si certains avaient noté une question ou plus sur ce premier bilan, c'était le moment d'en débattre avant de passer à la prospective. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ces sujets et sur ces résultats?
Je crois qu'on peut malgré tout souligner des résultats sur ces trois budgets qui sont satisfaisants dans le sens où, malgré tout ce qu'on a pu dire en préambule sur les atteintes aux recettes des communes, on arrive à stabiliser le résultat, on l'a vu, hein, sur les années qui se succèdent, après une amélioration sur les années antérieures, mais entre 2019 et 2020. Avec la possibilité, donc on le verra à la suite, d'envisager encore quelques investissements. Je ne sais pas que ça sera le cas durablement, parce que on ne sait pas trop comment les choses évolueront pour l'année prochaine. Pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, je rappelle qu'il y a deux ans, nous avons fait la scission du budget de l'eau et de l'assainissement qui était réuni autrefois, avec un bilan de clôture très, très disons, contraint, et donc une marge très faible, et on voit que par la prudence des investissements indispensables, mais sans partir non plus dans des investissements pléthoriques, on arrive à reconstituer un fonds de roulement qui nous permettra dans l'avenir de répondre aux attentes de développement de la commune et de renouvellement de réseau pour obtenir de meilleurs résultats en termes de, surtout pour l'eau, de réduction des fuites et donc de rendement, et puis pour l'assainissement, de développement de réseau, parce que le réseau d'eau, globalement, a été largement développé durant le dernier mandat pour répondre au développement urbain et donc au plan local d'urbanisme. Pour ce qui est de l'assainissement, il a été un peu laissé de côté parce qu'il n'y avait pas de caractère indispensable, mais cette année, nous avons des perspectives à mettre en œuvre, et autant en termes d'études que de réalisation, le budget d'assainissement fera l'objet de quelques investissements plus significatifs. Voilà pour les grandes lignes. Arnaud, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce qu'il y a un micro ? Non, c'est juste une petite interrogation par rapport aux dépenses et frais exceptionnels qu'on a eu par rapport au Covid. Est-ce qu'il y a une dotation exceptionnelle de l'État ou rien du tout ? Alors, on nous a fait de belles promesses, on a fait un dossier, ça a pris du temps. Et je crois, vous me dites, Marie-France et Jean-Pierre, c'est... Voilà, donc au titre seulement du coût lié à l'achat et à la fabrication des masques, nous avons une dotation de 6 300 euros, c'est ça. 6 033, pardon. Je ne mets pas les euros au mauvais endroit. Sur, alors, on a dit environ 35 à 40 000 euros de frais directs, plus tout ce qui est induit parce que du personnel s'est mobilisé en dehors des heures classiques, et on arrive à une dépense qui se rapproche des 70 000 euros globalement sur l'année. Bon, c'est toujours ça, 6 000 euros, hein, mais on attendait un peu plus, j'avoue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette clôture d'exercice, prévision de clôture d'exercice ? Alors bien sûr, nous aurons tout début avril la présentation pour le vote du budget. Ce que nous allons voir maintenant, qui va être présenté également par notre équipe de direction, préfigure de manière très détaillée le budget. Donc là aussi, après la présentation, nous pourrons débattre si vous avez des questions. C'est quand même le résultat de l'arbitrage que nous avons fait ensemble au mois de février, qui a été donc abondé, amélioré suite aux échanges que nous avions eus. Et donc, je vous laisse la parole pour la présentation. Donc nous poursuivons effectivement, Monsieur le Maire, avec le budget primitif donc pour 2021, enfin les orientations, puisque là il s'agit que de débattre des orientations. Donc le projet de budget primitif, nous commençons par les dépenses de fonctionnement, donc se porterait à environ 4 437 ou 438 000 euros. Dans le slide qui vous est projeté, on voit qu'il y a des écarts. On parle donc des charges de fonctionnement, puisque les montants sont supérieurs à ceux en 2021 projetés, écrits pour le budget, à ceux de 2020, du CA 2020 que vous pouvez comparer, et celui du CA. Alors, la projection, voilà, on voit que les dépenses sont en augmentation. Pourquoi ? Il ne s'agit pas, bien évidemment, monsieur le maire, d'une invitation augmenter les dépenses, mais simplement d'une démarche qui est celle que vous avez souhaitée prudente, à savoir que
les dépenses sont assez, pas surestimées, mais sont sévèrement estimées de manière à nous garder de toute surprise. Voilà. Je vous invite à ce qu'on poursuive donc dans les recettes de fonctionnement. Là, on voit bien la dynamique qui est la même et qui s'exprime de façon inverse. Donc, bien évidemment, le projet de budget sera équilibré à 4 438 000 euros environ. Mais là, on voit que les dépenses, la colonne de dépenses est un petit peu inférieure à celle de la réalisation 2020. Pourquoi ? Là aussi, par démarche de recettes. De recettes, bien sûr, pas de dépenses, est plus importante que celle réalisée en 2020. Pourquoi ? Parce que là aussi, dans la même démarche de prudence, les recettes sont un petit peu plus sous-évaluées de manière à ce qu'il y ait une prévision qui soit dans un effet de ciseau positif et que l'on ait donc ce même effet de ciseau ensuite, comme nous l'avons eu pour le compte administratif, à savoir de meilleures recettes et de moins mauvaises, un montant plus inférieur donc en dépenses et donc un écart positif pour les chiffres de la commune. S'agissant de la section d'investissement, donc nous avons des dépenses qui sont inscrites à hauteur de 4 053 290 euros, donc qui se répartissent de cette façon, la façon suivante, c'est-à-dire donc à hauteur de 2 712 078 euros, tout ce qui concerne les études, travaux, acquisitions foncières et avec les restes à réaliser également. Le remboursement de la dette cette année qui est estimé à 205 000 euros. Les opérations d'ordre que nous retrouvons à nouveau pour 120 000 euros. Et les autres dépenses, donc chapitre 10 et 27, à hauteur de 23 230 euros. Et notre solde d'investissement négatif qui est reporté, hein, donc de 2020 sur 2021, à hauteur de 992 982 euros. Concernant les recettes, donc pour un budget équilibré en section d'investissement toujours à 4 053 290 euros, qui se décompose comme suit. Donc pour les subventions 226 774 euros, dotation chapitre 10, donc 235 000 euros, l'excédent de fonctionnement capitalisé 547 800 euros. Nous avons donc le virement, ça nous permet donc d'effectuer un virement à la section de fonctionnement à hauteur de 1 090 738 euros. Les produits de cession, donc ça c'est un chapitre d'ouverture hein, qui nécessite tout au long de l'année après d'opérer des écritures comptables pour comptabiliser les cessions d'actifs. Donc à hauteur de 454 000 euros, l'emprunt qui est ici inscrit, donc qui ne sera pas forcément mobilisé, mais que nous inscrivons à hauteur de 300 000 euros, des restes à réaliser également, 2020, hein, que nous retrouvons, à hauteur de 1 168 895 euros, et enfin toujours nos opérations d'ordre, qui sont 30 000 euros, oui c'est ça, 30 000 euros, voilà. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nous avons donc la répartition des dépenses par chapitre. Donc opérations, travaux, études, 1 326 064 euros. Des équipements des services, dont un véhicule, des équipements aussi liés à l'hôtel de ville, la cuisine, également école et services techniques, 75 500 euros. Acquisition à hauteur de 552 000. Des dépenses qui sont liées plus spécifiquement à l'urbanisme, donc on parle du PLU ou subvention façade, 34 800 euros. Voici pour les dépenses. Donc les investissements programmés, alors quels sont-ils ? On a différentes acquisitions foncières, l'isolation par soleil, ventilation, écoles, travaux donc au quartier Granouillet, effection du bâtiment de la cascade, création du giratoire RD 97, travaux d'aménagement du futur CTM, la phase 2 concernant les études du projet Espace Santé, l'extension de la vidéoprotection, des travaux chemin brise-charge, l'extension également du réseau d'éclairage public,
création de boteaux incendies et travaux d'accessibilité, notamment bâtiments Moulin Huile, salle Jean Moulin et centre culturel. Travaux également l'espace socio-culturel de la coopérative, la rétrocession espace public lotissement Les Rives, acquisition d'équipements audiovisuels et informatiques, l'aménagement également d'aires de jeu, la création d'un pluvial à la traversée RD 97 rue de la Liberté, un programme de voirie concernant donc l'ensemble du territoire et réfection de la fontaine des Quatre Têtes, place Gabriel Péri. Donc le projet de budget, tel qu'il sera précisé lors du vote du conseil municipal, se présenterait de la manière suivante. Vous avez donc là une représentation un peu croisée qui vous montre donc à gauche, bien sûr, les dépenses, les recettes, le fonctionnement, l'investissement. Donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais ça permet d'avoir une vision globale. Donc les sections, les blocs ne sont pas proportionnels parce que sinon ça nuirait à la lecture, mais on voit les mouvements. Vous retrouvez notamment le virement de la section de fonctionnement en dépenses, c'est-à-dire que la somme, une fois payée, nos charges de fonctionnement que nous dégageons et que l'on retrouve dans l'investissement ici, elle vient abonder pour financer notre section d'investissement. On retrouve également les fameuses écritures d'ordre dont on est friand et dont on vous a abreuvé ce soir, à savoir donc la part des amortissements qui sont supportés en dépenses de fonctionnement, mais qui sont contrebalancés en opérations d'ordre en recettes d'investissement. On retrouve également la part des travaux effectués par les services techniques, qui est la part qui a été impacté sur nos dépenses de fonctionnement. Pour autant, il s'agissait de travaux d'investissement réalisés par nos services. C'est donc régularisé et ça abonde dans les recettes d'investissement. Dépenses d'investissement. Et c'est contrebalancé. Donc les écritures comptables. Vous retrouvez également les restes à réaliser ici en recettes et en dépenses. Le budget, vous retrouvez donc un budget qui s'équilibrerait en section de fonctionnement à 4 437 000 euros et à 4 053 000 euros environ en section d'investissement. Si vous le préférez et que vous avez des questions sur cette partie budget commune, avant de passer aux deux autres budgets annexes, c'est peut-être le moment de poser des questions si vous en avez, ou des précisions, hein, bien sûr, par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Bon, on essaie d'être fidèle aux arbitrages, je le disais tout à l'heure, que nous avons vus ensemble. Vous avez vu que par rapport aux sommes annoncées il y a un peu plus d'un mois, c'est plutôt abondé. Certaines remarques qui avaient été faites ont été prises en compte pour lancer des études sur des dossiers qui initialement n'avaient pas été pointés. Donc on est aujourd'hui sur un budget qui est quand même encore dynamique et prospectif et qui va nous permettre de réaliser des équipements indispensables au bien vivre à Carnoul, comme on le fait depuis plusieurs années, pour répondre le plus possible à l'ensemble des préoccupations de tout un chacun, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, également dans le domaine des loisirs, les associations et le domaine sportif. Voilà, tout un ensemble de paramètres sur lesquels il nous appartient en tant qu'élus de chercher des solutions et d'apporter des améliorations. C'est ce que nous tentons de faire depuis quelques années. J'espère que ça répond globalement à l'attente de nos chers concitoyens. Est-ce que vous avez donc des questions? Non? Sinon, on passe à la suite. C'est bon? Allez, on enchaîne avec la partie annexe, donc pour le premier budget annexe qui concerne l'eau. L'eau. Donc, concernant le budget de l'eau 2021, en section d'exploitation, donc nous avons une section qui s'équilibre à hauteur de 218 594 euros en dépenses et en recettes. On retrouve les différents chapitres que nous venons d'évoquer hein, dans notre explication concernant la clôture 2020. Nous retrouvons les mêmes chapitres
avec des estimations cette année. Donc, je rappelle que le budget est un budget primitif, c'est un budget de prévision et d'autorisation. Donc ça, ça concerne la section d'exploitation. En section d'investissement, nous avons donc une section qui est équilibrée à hauteur de 219 692 euros. Slide suivante, nous avons, concernant cette section d'investissement, les opérations qui sont programmées pour 2021, donc à savoir la pose d'un débitmètre sectorisation, je pense que c'est ça, hein, de sectorisation, des travaux granulés pour l'extension du réseau, on a également, on l'a vu, cette opération, on l'a vu inscrite également sur le budget de la commune, l'installation d'un turbidimètre, l'extension du réseau pour défense incendie et le renforcement du réseau eau potable plus globalement. S'agissant du budget 2021 pour l'assainissement, dont la section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 185 713 euros. Là également, nous retrouvons toujours nos mêmes chapitres. Si vous avez des questions sur les différents montants que nous avons inscrits hein, en prévision au BP, on peut y répondre, il n'y a pas de souci. Et s'agissant cette fois-ci de la section d'investissement, elle s'équilibre à hauteur de 190 702 euros. Et la slide suivante vous donne la liste également des opérations qui sont programmées. Donc renouvellement réseau d'hiver, création du réseau chemin de Vala, mise en sécurité du poste de relevage, recherche d'eau parasite et restructuration du réseau et étude extension réseau émoulière. Est-ce que vous avez des questions sur le budget 2021 eau potable ou assainissement? Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des précisions? Jean-Louis, tu veux compléter le sujet? D'accord. Voilà, donc un budget de prudence, comme je le disais en préambule, sur ces questions-là, et un autofinancement total sur ce qui vous est proposé en investissement sans emprunt cette année, pour continuer à améliorer le fonds de roulement et les perspectives pour les années futures. Voilà, bon, pour clôturer ce rapport sur les orientations budgétaires, puisqu'il n'y a pas de précision à apporter, l'état de la dette de la commune, et pareil sur les trois exercices budgétaires, dans la continuité de ce que nous venons de voir. Donc, s'agissant de l'état de la dette, comme cela nous est demandé au titre de l'exercice donc, du DOB, l'encours de la dette donc, est réparti sur 10 emprunts, 10 emprunts qui sont porteurs de sens. Si ces emprunts ont été faits, c'est pour porter des investissements. On a pu noter notamment, au cours de l'année 2018, le parking de la gare, la deuxième tranche, ou encore l'extension du restaurant scolaire, les constructions du groupement médical et paramédical. Oui. En fait, la diapositive vous présente les emprunts ce que les emprunts de 2018, 2019, 2020 nous ont permis de réaliser. Donc, s'agissant de l'emprunt de 2018, comme Jean-Pierre vient de vous le dire, parking de la gare, deuxième tranche, l'extension du restaurant scolaire et la construction du groupement médical. Ces emprunts-là ont été à hauteur de 800 000 euros. Et on retrouve dans ces 800 000 euros nos 200 000 euros dont je vous parlais précédemment du crédit in fine. En 2019, c'est un montant d'emprunt de 570 000 euros. Et nous ont donc, cet emprunt nous a permis à la fois de réaliser études et travaux pôle sportif hein, pour les lots 1 et lot 3, la cascade, mise en sécurité du bâtiment et également la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment et aménagement du parc, et une acquisition foncière, lieu dit la gare avec la communauté de communes Cœur du Var. S'agissant de l'emprunt 2020 à hauteur de 450 000 euros, celui-ci nous a permis donc de financer pôle sportif, études et travaux, la poursuite des lots numéro 1 et 3, mais également le lot numéro 2 avec la création des cours de tennis, la construction d'un bâtiment pour locaux sportifs, donc le clubhouse, et travaux de réhabilitation du bâtiment de la cascade.
Et enfin, la CAF coopérative, rénovation de la toiture. Donc pour poursuivre sur l'état de la dette, donc, il est important de la mettre en perspective de la CAF, parce que qui dit endettement dit surtout capacité de se financer, de financer ses travaux, et financer nos investissements. Ça ne peut se faire qu'une fois déduit la charge de la dette, ce qui est le principe du calcul de la mise en perspective de la CAF. Donc on rappelle à ce stade que si nous avons une CAF qui s'est portée financièrement, comptablement à 119 ou quasiment 120 000 euros, c'est le fruit aussi de l'impact de l'emprunt in fine qu'on a évoqué, qui est un emprunt qui a été intégralement dont le capital a été intégralement soldé sur l'année 2020. Si on regarde la situation structurelle, on est à 319 600, quasiment 320 000 euros. Ce qui nous donne la situation suivante, s'agissant donc du détail des encours de la dette. L'encours total de la dette en 2018 était de 2 440 000 euros. Il était 3 millions d'euros en 2019, 3 440 000 en 20 et 3 500 000 en 2021. L'annuité de la dette, c'est-à-dire le poids supporté annuellement par la commune pour faire face à son emprunt, pour le rembourser, que ce soit d'une part en intérêt, d'autre part en capital, est passé de 2018 à 233 000 à 257 000 euros. Point important, les ratios, les chiffres qui permettent de se situer. L'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2020 se situait à 988 euros. Le taux d'endettement, c'est 99%, c'est un ratio qui se porte par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, c'est un ratio comptable. Et la capacité de désendettement de la commune, chiffre très important, se porte au 31 décembre 2020 à 6,9 années. Il faut savoir, pour donner un ordre d'idée, puisque l'idée de ces marqueurs, c'est de se situer, c'est que la zone dite de danger dans les finances publiques est appréciée au-delà de 13 ans. Entre 10 et 13 ans, la situation est jugée correcte, mais bien sûr à surveiller, parce qu'un emprunt, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On est donc très en deçà, puisque nous, avec cette année, on est entre 0 et 10 ans, c'est-à-dire une bonne situation. L'encours de la dette à l'horizon 2026, donc sur les 10 emprunts, la perspective, slide suivant, on peut s'apercevoir donc de la décroissance en l'état qui était posé au 31 décembre. Vous le voyez, donc de 3 500 000. Aujourd'hui, dans la situation actuelle et dans le déroulement des emprunts, on atteindrait en 2026 à 2 500 000, soit moins d'un million d'euros d'encours. Donc l'évolution du capital reste en due, tout emprunt cumulé. On poursuit exactement de la même manière. On est sur l'annuité, donc on n'est plus sur le capital, mais sur le poids que fait peser la dette sur le budget annuel. On peut noter une petite augmentation là, qui est un petit détail, c'est simplement un petit détail comptable, c'est en raison de l'année à laquelle un emprunt est souscrit. La première année, il n'y a que trois versements de remboursement sur quatre, ce qui fait qu'on voit l'incidence. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit détail comptable. Donc nous poursuivons avec l'état de la dette de l'eau potable. Donc en 2021, la structure de la dette est composée de deux emprunts à taux fixe souscrits auprès du Crédit Agricole. Donc comme je vous le disais précédemment, le plus ancien a été contracté en 2010 en vue du financement du réseau d'eau potable et divers travaux d'assainissement. Donc comme vous pouvez le constater, cet emprunt en 2010, à l'époque, il faut savoir donc qu'il y a existé un seul budget eau-assainissement. Il a été donc scindé en 2017. Donc c'est la raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure que le budget eau potable, ce que je vous explique donc un petit peu plus loin, supporte cet emprunt et c'est pour cela que l'on aperçoit dans le budget le remboursement de la part en capital et en intérêt de l'assainissement vers le budget d'eau potable. Le second emprunt a été contracté en 2019. Pour une durée de 30 ans, et donc il a permis le financement des opérations telles que renouvellement du réseau potable chemin de la Vière, entrée ouest, phase,
trois écoles, La Poste, chemin de Colonel Parnière, antenne complémentaire à la phase 1 au chemin de Saint-Jean, la création du réseau eau potable, chemin du stade et équipement sportif Bron, maillage chemin de Saint-Jean, fond de ligne. Donc l'état de la dette, 2018 à hauteur de 704 492 euros. En 2021, nous avons 874 707 euros. Donc l'annuité de la dette, 2018, 39 999 euros. Et en 2021, 49 981 euros, puisque je vous rappelle que nous avons donc en 2019 souscrit un second emprunt. Donc là, c'est l'annuité de la dette. En 2020, nous avions donc des intérêts à hauteur de 17 854 euros. 2021, 18 003 euros. S'agissant de la part capital, donc de la section d'investissement, nous avions en 2020 29 633 de capital à rembourser et en 2021 nous aurons 31 979 euros. Donc là, l'encours de la dette à horizon 2020 sur ces deux emprunts, hein, en dehors de toute nouvelle souscription d'emprunt, nous avons en 2021 un encours de dette à hauteur de 874 707 euros. Et en 2026, nous aurons 707 854 euros, soit une perte de 166 853 euros. Nous aurons donc remboursé 166 853 euros entre 2021 et 2026. S'agissant de l'annuité, nous avons une annuité qui est constante entre 2021 et 2026. À hauteur de 49 982 euros. Je vais poursuivre l'assainissement. S'agissant du budget d'assainissement, donc la dette assainissement, la structure de la dette est constituée également de deux emprunts à taux fixe, le plus ancien contracté en 2007 pour financer la station d'épuration. Cet emprunt, lui, est supporté donc à 100% par le budget de l'assainissement. Le second a été contracté en 2019 en vue de financer donc des investissements tels que l'élimination des eaux parasites deuxième tranche, création du réseau chemin du stade équipement sportif à Bron, renouvellement du réseau chemin colonel Parnière et entrée ouest phase école La Poste. Donc si on regarde l'état de la dette pour le budget d'assainissement. En 2018, nous avions un encours total à hauteur de 193 500 euros. Entre-temps, donc, nous avons souscrit un second emprunt. En 2021, nous arrivons à un encours de dette à 248 024. S'agissant de l'annuité de la dette, donc l'annuité, hein, c'est capital plus intérêt, 24 719 en 2018 et en 2021, 29 646 euros. Là, on retrouve donc le détail de cette annuité de la dette entre 2020 et 2021, un comparatif. S'agissant donc des intérêts, en 2020, 8 575 euros. En 2021, 8 046 euros. Donc c'est très proche. Et s'agissant de la part capital, donc l'investissement, 19 839 en 2020 et 21 600 en 2021. L'encours de la dette à horizon 2026 sur ces deux emprunts, en dehors de toute souscription de nouvel emprunt, nous avons donc toujours nos 248 000 en 2021. Et si nous nous projetons donc en 2026, nous arrivons à 130 715 euros, soit donc une perte de 117 300 euros. 10 euros. Nous aurons remboursé déjà 117 310 euros. L'annuité de la dette, donc par intérêt capital, nous voyons qu'elle est également linéaire entre 2021 et 2026 et elle s'élève à 29 646 euros.
Voilà, donc on voit que les emprunts ont été structurés différemment. En 2007, on remonte là à trois mandats, pour la station d'épuration, il y a eu un emprunt à annuité constante, ce qui limite, disons, les marges de manœuvre. Oui, je disais, structurellement, cette dette en assainissement avait été à l'époque, c'était un choix hein, qui avait été fait, à annuité constante. Et on a vu dans les courbes qui nous ont été présentées que chaque année, on a la même charge de fonctionnement sur le budget, ce qui ne permet pas progressivement d'améliorer les conditions d'autofinancement. Ce que nous avions fait lors de la réalisation de l'équipement structurant du réservoir eau, c'est de faire un emprunt d'une structure différente avec un remboursement de capital plus important au fil des ans, ce qui nous permet de baisser chaque année le montant de remboursement des emprunts, mais sur la part des intérêts, voilà. Et du coup, ayant moins d'intérêts, on décharge progressivement la part du budget de fonctionnement de la section d'exploitation, ce qui nous permet de générer des marges de manœuvre pour le virement à la section d'investissement au fil des années. C'est ce que nous faisons également sur les budgets de la ville, parce qu'au fil du temps, on se redégage un peu de marge de manœuvre. Le financement du fonctionnement est toujours le plus complexe. Et ce sont des choix, je ne sais pas s'ils sont pertinents, mais c'est ce que nous faisons depuis quelques années. Voilà, donc vous voyez que globalement, la santé financière et du budget principal et des budgets annexes est correcte. Je ne dis pas qu'il faut s'imaginer qu'on peut faire tout et n'importe quoi, mais c'est correct. J'espère que pour les années à venir, nous pourrons vous présenter des résultats qui seront à peu près du même acabit. Charge à nous d'être prudents au quotidien dans nos charges de fonctionnement, dans la gestion du quotidien de nos équipements. Un équipement qui n'est pas bien entretenu, il coûte vite cher derrière. Donc il y a des pistes aujourd'hui d'amélioration de certains équipements, de façon à tenter avec des investissements. Je parle par exemple de cette salle d'aumier. Nous avons une relation avec le syndicat intercommunal d'électrification qui va conduire des études pour voir s'il y a moyen d'améliorer la performance énergétique de ce bâtiment et également celui de l'hôtel de ville. Ils nous diront si oui ou non il y a des investissements pertinents à faire. Et si nous les faisons, nous diminuerons ainsi les charges de fonctionnement. Et c'est toujours ce qu'il faut chercher à faire au quotidien dans nos diverses actions. Voilà donc pour les grandes lignes de la politique que je vous propose que nous conduisions au fil des années pour continuer à répondre aux attentes de nos chers concitoyens, mais également aussi avoir une gestion saine et sereine et qui nous projette. On parle beaucoup d'environnement, mais ce genre d'action, ça entre tout à fait dans ce cadre-là de la préservation de l'environnement. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la prise d'acte de cette présentation? Non. Donc, avant de prendre acte tous ensemble, je voudrais vraiment remercier à la fois Marie-France et Jean-Pierre pour le travail accompli. Je le disais tout à l'heure en préambule, mais c'est un travail colossal qui est aussi le fruit d'un travail quotidien de tous les collaborateurs, qu'ils soient dans le service administratif, technique, qui alimente au quotidien cet ensemble de données budgétaires. Et je crois qu'on peut vraiment les féliciter de ce travail de fourmi qui est fait au quotidien, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une lecture, disons, assez facile et également des résultats. Nous, on pose les orientations, mais derrière le travail, ceux qui le font, je crois que c'est vraiment à souligner. On peut les féliciter de toute cette action tout au long de l'année. Donc, je vous propose... Oui, pardon. Avant de passer au vote, il est important de préciser que depuis 2014, la politique qui a été menée sur la commune sous l'impulsion de Christian s'est voulue prudente et très rigoureuse. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de dégager des excédents
qui nous permettent de mener ces investissements pour améliorer le quotidien des Carnoulais. Il est très important de remercier les services, mais aussi celui qui, depuis 2014, les amène à travailler, les accompagne au quotidien pour aujourd'hui pouvoir le mesurer. Merci les hauts services et merci à Christian. Merci Christophe, c'est notre job, c'est gentil de l'entendre et c'est vrai que c'est un travail assidu, quotidien et un état d'esprit dans lequel nous souhaitons travailler tous ensemble. Je crois que si on est tous là autour de la table aujourd'hui, après l'échéance électorale de l'an dernier, c'est parce que au travers de nos échanges préalables aux élections, je pense vous avoir convaincu de travailler dans cet état d'esprit et que nous pourrons continuer durablement à travailler de cette manière. Donc je vous propose de prendre acte, qui constate, c'est un peu bizarre comme type de vote, mais tout le monde est d'accord, pas de... Donc tout le monde prend acte et valide la présentation. Oui, donc ben, je vous propose de voter. Qui est contre la prise d'acte? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Voilà. Beaucoup de procédures pour peu de choses. Enfin, telle est l'administration et la règle de l'art. En poursuivant notre ordre du jour, nous avons donc l'adoption du pacte de gouvernance. Et j'ai perdu la feuille qui me dit qui le rapporte. Je crois que c'est Stéphanie qui se charge de cette affaire-là. J'expose au Conseil municipal que la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l'EPCI à fiscalité propre. Les modalités sont prévues à l'article L5211-11-2 du CGCT. Conformément au CGCT, le Conseil communautaire, dans sa séance du 2 février 2021, a décidé d'élaborer un pacte de gouvernance. Le projet de pacte de gouvernance nous a été notifié le 4 février 2021. La commune dispose d'un délai de 2 mois pour donner son avis sur le projet. Merci Stéphanie. Donc sur le principe, c'est un moment démocratique qui est proposé aux établissements publics de coopération intercommunale, donc notre communauté de communes Cœur du Var, avec notamment en dehors du fait que depuis le début de ce mandat, les communautés de communes d'Aglo adressent à l'ensemble des conseillers municipaux l'ordre du jour des conseils communautaires pour que l'information soit vraiment partagée par le plus grand nombre. Il est également envisagé de faire des conférences de maires qui peuvent se réunir à l'initiative du président de l'EPCI, mais également sur demande éventuelle de maires et selon les sujets qui sont abordés, qui peuvent concerner l'une ou l'autre ou la totalité des communes. Voilà, donc les réunions, je le disais, c'est le après sollicitation à l'initiative du président, qui peuvent se réunir. Donc soit on invite les maires à un bureau communautaire, soit éventuellement le débat peut s'étendre aussi sur les conseils communautaires en fonction de la nature et de l'importance du sujet. Donc le pacte de gouvernance a été délibéré sur le principe avec un avis favorable au mois de janvier au sein du conseil communautaire qui s'est tenu à cette époque-là. Et comme le disait Stéphanie, il nous appartient aujourd'hui de voter pour l'approuver et refaire retour de notre avis auprès de Cœur du Var. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dossier? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'adoption du pacte de gouvernance? Je vous en remercie. Ensuite, modification du règlement d'attribution des subventions pour la réfection des façades et des devantures commerciales dans le cadre du programme de revitalisation du centre ancien. Donc, Florence. Attends.
En 2018, dans le cadre de la revitalisation du centre ancien, la commune a souhaité mettre en place un système de subvention incitatif pour l'affection des façades et des vitrines commerciales permettant de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants, du paysage urbain et à une mise en valeur du patrimoine de la ville. Aujourd'hui, la commune souhaite étendre la possibilité d'obtention de subventions pour la réalisation de l'enduit des murs de clôture sur un périmètre plus élargi que le centre ancien, afin d'inciter à la finition et au ravalement de ces ouvrages et ainsi participer à un environnement urbain plus harmonieux. Pour cela, il est nécessaire de modifier le règlement d'attribution des subventions et de définir un périmètre spécifique, plus étendu, appelé périmètre clôture. Les conditions d'obtention des subventions ne sont pas changées et sont toujours limitées dans le cadre des crédits votés annuellement. Et merci Florence. Alors je précise là, parce qu'on soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour l'avenir. Effectivement, il nous est apparu nécessaire d'étendre la possibilité d'aider à la finition ou du moins à la reprise des clôtures. Mais pour autant, ce sont des clôtures anciennes qui n'ont jamais fait l'objet. Qui n'ont jamais fait l'objet de finition depuis plus de 10 ans, qui nuisent à la perception paysagère que l'on peut avoir dans certains quartiers, et notamment proche du centre-ville pour certains. Les gens n'obtempèrent pas, malheureusement, mais peut-être qu'avec cette incitation, on espère améliorer l'ordinaire en termes d'amélioration des sites sur notre commune, ce qui va dans le sens de la volonté d'améliorer la qualité environnementale de notre commune. Donc, que les gens qui viennent de construire leur clôture suite à une déclaration préalable ou parce qu'ils ont fait la maison et le bout de clôture devant ne s'attendent pas à être subventionnés, ça c'est une obligation. Et j'attends d'eux, je l'espère du moins, qu'ils aillent au bout de la démarche pour faire les enduits tels qu'ils se sont engagés à le faire dans le cadre des autorisations d'urbanisme. Voilà. Je pense que c'est une précision qui était indispensable à apporter pour pas qu'on s'imagine qu'on va subventionner les enduits alors qu'ils sont obligatoires. On parle de vieux murs qui nécessitent soit des rénovations lourdes, soit des enduits qui n'ont jamais été exécutés à l'époque. Voilà, donc y a-t-il des questions par rapport à cette proposition d'extension de l'aide aux façades et aux murs de clôture? Donc je vous propose de passer au vote qui est pour. Merci. Dans la suite. Nous avons donc l'acquisition des voies et espaces communs du lotissement Les Rives, qui est pas très loin d'ici. C'est Jean-Louis qui nous le présente. Donc, acquisition des voies et espaces communs du lotissement Les Rives. Je vous informe que la commune souhaite acquérir les voies et espaces communs du lotissement Les Rives, appartement à la société 3LS, domiciliée à Olioule, route de la Seine, Technopole, Varmatin. Je demande à l'Assemblée d'autoriser M. le maire à acquérir à l'euro symbolique non recouvrable les parcelles AE215, AE295, AE296, AE297, AE298, AE299, AE300 et AE301, d'une superficie totale de 16 064 m², située au lieu dit L'Enclos, appartenant à la société 3LS, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée par un acte notarié. Considérant que les parcelles AE215 à 300 constituent de la voirie ouverte à la circulation publique, qu'il convient ainsi de classer ces voies dans le domaine public routier communal, sans enquête publique du fait que le classement ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. Voilà, merci Jean-Louis. Donc ça, c'est un accord qui était passé dès le départ de la constitution de ce lotissement Les Rives, qui est en dessous de la salle d'Aumier, et qui avait fait, avant d'être autorisé, dans le cadre du plan local d'urbanisme, l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Je le rappelle, l'idée était de faire des communications de quartier, et notamment nord-sud, dans le prolongement de la voie déjà réalisée à cet effet au travers du lotissement Les Cyprès.
ce qui va permettre de donner, comme on l'a déjà fait dans d'autres quartiers, notamment au plan de soins Intermarché, de la fonctionnalité et du lien pour faciliter les déplacements en voiture, certes, mais aussi les déplacements à pied, du lien vers le bord de la rivière. Et, donc c'est vraiment une démarche construite, co-construite avec les aménageurs, et qui, sans ces orientations, n'aurait jamais vu le jour, et donc le lotissement n'aurait pas été réalisé, s'il n'y avait pas eu aussi un retour bénéfique pour l'organisation de la ville. Y a-t-il des questions ? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour la prise en charge ? Donc, entre-temps, il y aura les opérations de réception qui sont en cours de finalisation, et nous ne signerons pas d'acte, bien sûr, tant que tous les travaux prévus sur ces emprises ne seront pas totalement conformes, parce qu'il y a des reprises en cours, et au niveau qualitatif, une exigence pour qu'on puisse, nous aussi, garantir dans la durée de ne pas rapidement avoir des dépenses à y faire. OK pour cette prise d'accord, merci. Ensuite, l'ONF, donc Guillaume. Vu le plan d'aménagement forestier de la forêt communale de Carnoul 2014-2028, j'expose que l'Office national des forêts propose pour l'année 2021 en forêt communale relevant du régime forestier les coupes de et modes de commercialisation suivantes. Donc la parcelle 9R, donc c'est à la Coulette, la parcelle 20A, et 21A à nord, à Bron nord-ouest. La parcelle 3A et 5A, c'est bas de Thème. Et la parcelle 6A, c'est au Puy du Guerrier. Donc ces parcelles sont destinées à la vente selon le mode de commercialisation ci-dessous. J'indique que le conseil municipal doit délibérer afin de valider les coupes prévues et décider de leur mode de commercialisation présenté ci-dessus. Une semaine avant le début des rotations des camions, l'ONF fera établir un état des lieux en présence des représentants de la commune et de l'ONF, l'état de la voirie entre les routes nationales et la zone d'abattage. Merci Guillaume. Donc je précise que c'est un programme d'action en lien avec l'ONF qui remonte à bientôt 10 ans et qui s'étend, je crois, jusqu'en 2026 ou 27, je ne sais plus. Donc chaque année, il y a des programmes de coupe. Alors quand on parle de coupe, certaines s'émeuvent, mais si on ne coupe pas la forêt, elle meurt. Donc la coupe, c'est de l'entretien. Et ce que nous demandons à l'ONF, c'est de ne pas faire des coupes rases, mais des coupes raisonnées, de façon à donner de l'air aux forêts, à limiter le risque de propagation des feux, et également à régénérer les bois et à les valoriser. Donc c'est ce qui est programmé là. Alors cette année, la coupe est un peu plus conséquente, parce que pendant à peu près 3 ans, il n'y en a pas eu, dans le sens où l'ONF essaie de gérer au mieux la revente du bois, de façon à optimiser la valeur du bois qui est coupé et revendu, alors soit pour du bois de chauffe, soit pour des papeteries, soit pour Innova à Brignoles pour faire de la production d'énergie. Les années où la valeur du bois est très faible, l'ONF nous dit bon, on va un peu attendre parce que bientôt il faut payer pour que le bois soit coupé. Et cette année, c'est une année un peu plus porteuse. Donc le marché a été attribué à une entreprise, et ça c'est l'ONF qui le gère pour nous. Il vous est proposé de valider ce principe de coupe sur ces quartiers-là pour répondre aux attentes dont je viens de vous parler. Y a-t-il des questions ? Il y a un peu de tout, il y a du chêne, quand il est trop dense, trop serré, parce que c'est pareil, le chêne s'étouffe et devient malade. Et il y a aussi du résineux, bien sûr. Alors, en fonction de la nature du chêne, il part sur une filière ou sur l'autre. Il fait du chêne du bois, il part sur une filière ou l'autre. Voilà. D'autres questions ? Donc, je vous propose de voter. Qui est pour ? Je vous remercie.
Donc pour clôturer, modification du tableau des effectifs, Christophe. Merci. Il y a lieu donc de modifier le tableau des effectifs pour le bon fonctionnement des services, et ici en l'occurrence le service communication. Donc je vous propose de créer un poste d'attaché à temps complet. Voilà, merci Christophe. Donc maintenant, on peut créer depuis 2 ans à peu près certains postes de catégorie A pour des besoins fonctionnels. Donc c'est l'objet de la délibération qui vous est proposée ce soir pour l'organisation des services et les engagements que nous avions pris sur ce sujet. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose de voter. Qui est pour ? Je vous remercie. Voilà, donc clôture de ce conseil municipal qui est toujours un peu lourd, hein, je le disais en préambule, sur le rapport d'orientation budgétaire. Merci pour sa tenue. Et puis la prochaine étape, je le disais tout à l'heure, se tiendra début du mois d'avril pour le vote et officialiser tous les comptes que nous avons vus ce soir avec les perspectives de dépenses, de recettes et, je l'espère, dans le courant de l'année, de quelques subventions complémentaires que nous pourrions capter. Des dossiers sont en cours d'étude. Christophe, tu me disais ? Voilà. Donc, le préfet nous a saisis aujourd'hui pour nous rappeler que demain, il y a un hommage national aux victimes des attentats. Donc, nous allons relayer cette communication sur notre site et... Bon, on nous demande de mettre, de pavoiser les édifices publics, la mairie est pavoisée tout au long de l'année, donc on n'est pas, il n'y a, a rien de particulier à faire, si ce n'est d'avoir une pensée pour ces victimes qui ont disparu sauvagement. Et je crois que chaque fois qu'on a l'occasion, on le rappelle, et demain c'est l'occasion de manière au niveau national de se souvenir. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt.